En français, cheveux d'or et les trois ours. Où est mon petit déjeuner? J'ai très faim. Moi aussi, j'ai faim. Il arrive, soyez ta chambre. D'accord? Oui, merci. Et toi? Oui. Merci. Et pour moi? Oh, ce courage est très chaud. D'accord. Je ne peux pas le manger. Nous pouvons faire une promenade. Oui. Allons-y. Allons-y. Il y a un problème. L'ours bébé a oublié de fermer la porte. En attendant, une petite fille s'est promenée dans le bois avec son chien. Elle s'appelle Cheveux d'Or. Oh là là! Je suis très fatiguée. Ah, je veux me reposer. Je peux m'asseoir par une minute. Cette chaise. Oh, cette chaise est trop grande. Cette chaise est trop droite. Mais cette chaise est très parfaite. Oh, j'ai faim maintenant. Je pense que je sens le porridge. Ce porridge est trop chaud. Ce porridge est parfait. Stay too. Je suis très fatigué maintenant. Une sieste pour quelques minutes. Ce lit est trop dur. Mais... Ce lit est trop dur. Ce lit est parfait. Perhaps a departure from the original classics is our attempt to extend playing time and enhance viewing pleasure. Ah, le temps fait très bon! Regarde, papa! Il y a un arbre avec beaucoup de miel! Oui, j'en fais de miel? Non, non, ne monte pas l'arbre, c'est trop dangereux! Nous pouvons acheter le miel au supermarché demain! Maintenant, marche-toi! D'accord. Mais je dois aller à la toilette! Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à la banque? Ah, d'accord, rentrons. En attendant, Cheveux d'Or dort. Quand les trois ours ont vu que quelqu'un a mangé leur porridge, ils ont très pendu à l'improviste et ils se sont fâchés. Quelqu'un a mangé un peu de mon porridge. Quelqu'un a mangé un peu de mon porridge aussi. Quelqu'un a mangé tout mon porridge. Puis, ils ont vu les chaises. Quelqu'un s'assurait dans ma chaise.
ça serait dans ma chaise aussi. Quand can I casser ma chaise? Oh! Oh la la! Puis, ils ont décidé de monter en haut. Lier un peu chaud. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Mon lit est chaud aussi. Quelqu'un a dormi à mon lit. Chaud aussi. Et voyez, quelqu'un dort encore dans mon lit. Quelle horreur! Allez! Salvador s'est réveillé. Quand elle a vu les trois ours, elle a crié. Puis elle a couru dehors de la maison. Le fond.